Bien le bonjour, vous vous trouvez sur Adroft pour ce quatrième let's play sur Rocket League. Et cette fois-ci, je comptais vous montrer les modes qui existent sur ce jeu, à commencer par le Rumble. Donc voilà, je profite du petit temps qu'il me reste là. Donc le Rumble rajoute en fait des pouvoirs au bout de 10 secondes de jeu pour tout le monde. Des pouvoirs qui sont divers et variés, bon, que vous allez vite voir par vous-même. Bon, je vais commencer par défendre du coup. Et de fait, cela change beaucoup la façon de considérer le jeu. Voilà, par exemple, là c'est un aimant, tout simplement. Alors, j'étais trop loin donc c'est pas intéressant. Il y a une tornade. Une espèce de... Vas-y, bon. Comment ça s'appelle déjà? Un truc pour déboucher les toilettes. Qui va ramener la balle à vous. Il y a eu effectivement une boule de pique qui fait que la balle va rester sur la personne. Bon là ça fait but. Hein. Et moi le pouvoir que j'avais là tout de suite, c'était le fait que si je touche un ennemi... Ouh d'accord, c'est un très bon. Oui voilà, expert alors. Rien que ça. Rien que cela. Parce que cette fin de but est... voilà, elle n'est pas accessible facilement. Donc mon pouvoir c'était si jamais je touchais un ennemi, et bien tout simplement il explose. C'est assez pratique. Bon, c'est pas phénoménal, mais c'est un petit plus non négligeable. Alors ça c'est très chiant. Ça fait inverser deux personnes. Alors là je suis victime du fait que ma voiture devient un peu incontrôlable. Bon, rien de bien fou non plus. Ouh là 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 là. Alors ça c'est un pouvoir très particulier où ça nous amène directement sur la balle. Malheureusement c'est plus souvent pas intéressant qu'intéressant je trouve. Mais bon ça peut être amené à débat. Ah, c'était mal joué de ma part. C'est magnifique. Alors le seul risque que j'ai... Ouh, ça aurait pu l'enlever. Donc normalement, voilà, il faut foncer sur la balle pour la faire se débloquer. Ou attendre que le chrono s'en aille. Mais donc là, je l'avais. Bon, de toute façon, je sens que lui... Ah, bah non, c'est con. J'aurais pu au moins cadrer un peu. Ça aurait pu donner quelque chose de sympa. Allez, toi, ça dégage. Mais attendez, mais personne ne fait rien. Enfin, bien. Hop. Eh ben non. Ça c'est vraiment le truc relou. Ça, on fait quand même difficilement mieux. Ouais, je l'ai vu. J'ai vu effectivement avec ces étincelles, mais ça n'a pas suffi. Ouh là là. C'est con de ma part. Oui, bah non, bah ça n'aura servi à rien. C'est dommage parce que ce pouvoir est très très fort, hein, comme vous avez pu le remarquer tout à l'heure. Ok. Alors ça sert pas à grand chose de se téléporter quand au final ça fait que le mec arrive au même endroit où il était. Hein. Ah, ça aurait pu donner quelque chose. Ouh, ça c'est très fort par contre. Ouais, dommage que j'étais pas assez bien centré. Non. Ah, il reste déjà plus que 50 secondes. Ouais bah. Ah oui, il y a aussi la chaussure qui va tout simplement frapper un gros coup. On joue quand même contre des experts. Hein. Bon, alors là c'est pire, enfin je l'ai littéralement aidé hein, parce que je l'ai mis dans le but. Ah là là là. Ouais bah non, si vous y allez, je n'y vais pas. Ouh, ça c'était moche. C'était très moche, heureusement. Ils n'en font rien. Alors, c'est les experts, mais j'ai l'impression... Ah oui, le gant qui est très très fort. Très très efficace. Ouh là là. Je suis allé trop loin.
Bon bah ça sera la défaite, hein, tout simplement. C'est pas toi qui la mettra. Ah si, c'est quand même lui qui l'a mis. Voilà, donc voilà, ça change pas mal le jeu parce que de fait, ça laisse beaucoup plus d'opportunités aux personnes qui gèrent un peu moins bien, parce que on peut privilégier parfaitement la stratégie. Le gant de boxe peut être extrêmement puissant. De même que... Tiens, bon, on va essayer. Par exemple, voilà, un magnifique but. Parce que je suis fort. Ah, il était magnifique. Voilà, tout simplement. Pouf. Quand on est bien placé avec le gant de boxe, ça passe bien. Ça passe bien. Bon, après, il y a moyen, il y a d'autres pouvoirs qui peuvent contrer largement ça. Le grappin, notre gant de boxe. Voilà, ça peut... On peut parfaitement annuler cette puissance-là. Hein. Oh, s'ils leur mettent à la dernière seconde, ça aurait été bon chose, c'est bon. Ouais, donc 3 experts, tranquillement. Aïe, aïe, aïe. Oui, non, ça ira. Ah, ils partent. Ah, je suis tout seul. Non, quand je suis tout seul, c'est jamais très bon. Ça peut mettre très longtemps à vous retrouver sur une partie. Je préfère en relancer une autre. Donc voilà, donc je compte vous montrer 2 petits matchs en Rumble, histoire que vous ayez bien vu toutes ces possibilités. Je trouve vraiment que c'est un mode intéressant. Après, ça devient quand même vite le bordel. Oh, sur cette map-là. Oh, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors là, il y a un poteau central hein, qui assume aussi le rôle de but. Donc ça sert absolument à rien de foncer droit dessus, puisque il n'y a pas de but à cet endroit-là. En revanche, oh bien. En revanche, voilà, il y a 2 buts des 2 côtés. Et oula, vous êtes fous. Je fais chier. Oh bien. Très bien défendu. C'est comme ça, trop haut. Oula. Mais ces gens, c'est voilà. Ah oui, bah oui, bravo. Bravo, bien joué. Ah, ce terrain-là est vraiment très particulier, hein. Je vous avoue qu'il est complexe. Parce qu'il y a beaucoup plus d'angles à défendre. Et ça sert à rien de rester quand on est au milieu. Ah, rien du tout. Heureusement qu'il y ait quelqu'un qui défendait parce que. Franchement. Merci les gars. Ah, ils ont essayé hein. Il y a quelqu'un qui l'a gelé. Je l'ai vu, mais en fait. Non, c'est trop fort. Bon, de toute façon, là, le plus intéressant me semble d'être de foncer dessus. Voilà, c'est moi qui l'ai. Oh, dommage. Là, c'était pas très intelligent de ma part. L'aimant. L'aimant, l'aimant, l'aimant. Alors, l'aimant est assez haut, bien. Oh là là, ça aurait tellement pu. Ça aurait tellement pu le mettre. Non. Oula, 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 fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe à ce que tu fais quand même. On a conscience que ça peut être vite compliqué. Voilà, ça devrait être bloqué. Ouhouhouhou. Oh bravo, superbe, superbe Candyfloss. Félicitations. Oh, mais ça change rien. Ça change rien du tout. Voilà, c'est très long. C'est pas très intéressant en plus. Oh, oh magnifique. Magnifique arrêt. À un moment donné, faut leur dire. Non, je veux pas. Ah, là, j'ai fait aller quelqu'un très vite. Bon, je trouve que c'est vraiment pas le plus intéressant parce que mine de rien, bah, ça le fait quand même aller très vite.
ça peut avoir un intérêt. Ouh là, il est bien cadré. Dégage. Mais non, mais t'es fou. Le mec, il le ramène vers nos cages, tranquillement. Ouh, bravo. Bravo, parce que j'étais trop loin. Non, on échange, merci. Alors, montrez-moi où vous voulez la mettre. Oh merde. Dégage. Félicitations. Oh, et c'est un fort en plus. Ah oui, un expert. Un expert. Bon, je suis quand même content parce que je vous montre une prestation d'assez bonne qualité. Voilà, je suis assez fier de mes prouesses. Besoin de turbo, bah si tu veux. Je te laisse faire. C'est cool. Ah ouais, assez cadré. Non, c'était pas assez. Oh, ça par contre, ça peut être très bien. Ça peut être très très fort. Oh, ça c'est con de sa part. C'est dommage parce que ça pouvait pas être cadré ça. Alors le souci c'est comme ils sont trois devant et que il n'y a personne avec moi, j'ai préféré. Oh yes, je l'ai sur place, je l'ai eu. Oh, celui-là, ce succès-là, il m'a... J'ai essayé moi bien au moins 3-4 fois et ça marchait pas et il fallait vraiment l'arrêter juste avant les cages. Bon, moi je suis content. C'est-à-dire là, cette partie de toute façon aura été intéressante pour ma part. J'oserais même dire rentable. Excellent. Ah, quel dommage. Yes. Félicitations. Youhou. Voilà, c'était bien joué. C'était tendu, hein, ils auraient clairement pu... Oh, et puis lui, il a bien essayé de défendre. Mais non, c'est passé. C'est passé comme il faut. Léonard. Quoi? Mais t'es sérieux? Tu m'as poussé. Oh, d'accord. Léonard m'a explosé. Bah ok, ça marche. Viens ici. Ah, ça a pas marché. Quel dommage. Oh non, ça serait moche. Ça serait moche de finir. Avec un but de leur part. Oh bien, magnifique. Oh non, c'est dommage. C'était bien joué de leur part. Ah, pourtant j'ai essayé. Mais pas assez. De toute évidence, pas assez. Mais n'empêche, l'autre il m'a vraiment foncé dessus. Il abuse. Mais j'ai un peu l'impression qu'au début. Mes deux coéquipiers attendent un peu en fait. Hein. Ils vont vraiment chercher du turbo tranquille. Il faut leur petite soupe quoi. Un petit but. Oh bien. Très bonne défense. Oh, comme il a été éjecté. Oula. 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 Oh, c'est bon. Prolongation. Enfin, je comprends pas pourquoi ils... Enfin voilà, c'est quand même des experts, les mecs ils ont plus joué que moi. Et ils savent toujours pas comment faire. Pour toucher la balle en premier. Ça me perturbe beaucoup à chaque fois. Alors, voyons voir. Ouais, c'est pas mal. Hop, et ben non. Oh là, il était parfait. Il était parfait celui-là. Je l'ai fait au moment le plus adéquat possible où ils ont tous les deux balancé leur pouvoir. Là par contre ça peut être très dangereux ce que je fais là. Ouais, voilà. Parce que ça va vers nos cages. Excellent. Ouhouhouhou. Hop, toi tu dégages. Oh, c'était splendide. Bravo.
Bon bah ça aurait été deux parties que je n'aurais pas gagnées, mais c'était deux belles parties. C'était deux très belles parties. Donc voilà, vous en savez un peu plus maintenant sur le mode Rumble de Rocket League. Donc je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo sur Adroft.